C'est un projet qui part de la frontière, du territoire, du paysage. J'ai réuni 8 artistes qui ont des démarches toutes différentes, mais qui s'intéressent à ces notions-là. Ce sont des notions qui peuvent devenir tabous aujourd'hui dans un contexte de mondialisation où on essaye d'enlever la frontière, de toutes les frontières, en fait. Moi, j'essaye de penser à la pertinence de la frontière, surtout dans notre contexte géographique et historique, ici au Québec. Qu'est-ce que la frontière aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore penser à ça, réfléchir à ça à travers des œuvres dans ce contexte qui est le nôtre actuellement? Moi, je pense que oui. Je pense que ça ne doit pas être un thème tabou. On peut penser l'appartenance identitaire, on peut penser à toutes ces notions-là. Ce sont tous des artistes qui ont une pratique assez jeune, mais qui vraiment sont professionnels et qui sont très sérieux dans leur démarche. Donc, c'est aussi des artistes qui travaillent pour la plupart la deuxième dimension, c'est-à-dire des œuvres de l'image, en fait. Donc, la photographie, la peinture, la vidéo, le dessin. Et moi, étant une artiste de l'image, j'avoue avoir un faible pour les pratiques de l'image. Et puis, ça m'intéressait de réfléchir aussi à la frontière par rapport au cadre que représente l'image. Qu'est-ce que, aujourd'hui, comment on peut renouveler ça dans les pratiques actuelles? Comment la peinture, par exemple, ou la photo, ou le dessin, peuvent-ils être encore pertinents de nos jours? Je trouve qu'avec le thème zone, mon travail se colle. Puis c'est comme si ça venait l'authentifier. Juste peut-être pour le fait qu'il y a des clôtures, il y a du plastique sur les montagnes. Il y a quelque chose qui vient, surtout les clôtures, qui viennent clôturer l'espace habitable, d'ordinaire, tu sais, qu'on veut posséder. C'est des montagnes qui sont creusées à fin de construction. Donc, pour mettre les fondations d'un bâtiment, il faut creuser. On remet le tas de terre ailleurs. Les fondations sont bâties, la maison se monte. Le tas de terre revient aux alentours. Donc, oui, c'est précieux, mais c'est une montagne qui sera pas là longtemps, qu'on veut pas nécessairement voir, parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est la maison terminée. La mondialisation et tout ça, l'ouverture des frontières, la disparition des frontières, c'est une utopie. Ben, en tout cas, il y a du surréalisme dans mes paysages qui exprime un peu ce que je ressens aussi par rapport à la manière dont le territoire, le paysage est développé, manipulé, déformé. Pour moi, l'importance du patrimoine bâti ou de l'architecture, du construit dans le paysage, ça a cette importance-là parce que ça dit les valeurs d'une société. Aujourd'hui, avec la machinerie et la technologie, la déformation et la destruction du paysage est beaucoup plus drastique. Christian Baron, Jessie Mélissa Bossé, Caroline Cloutier, Noémie Da Silva, Cara Derry, Marie-Ève Martel, Benoît Paillé, Steve Veilleux sont les 8 artistes que j'ai sélectionnés avec moi pour faire partie de cette exposition que je vous invite à venir voir jusqu'au 19 avril à la Maison de la Culture Frontenac. Thank you.